C'est le hasard qui conduit Bill Gordon dans la petite église du village de Beaulieu en Angleterre. Ce 25 décembre 1975, il est 7h et Gordon assiste au premier office de la journée. Quelques minutes auparavant, roulant dans l'obscurité, Bill a été attiré par la lueur des bougies à travers les vitraux. Homme d'affaires londonien, Bill Gordon est croyant. Et se retrouver dans une église pour Noël lui procure une sensation de bien-être. À l'issue de la messe, il salue le célébrant, le père Jones, et s'étonne. Pour un jour de Noël, mon père, il n'y avait pas grand monde. L'ecclésiastique, la soixantaine, porte encore sur son aube blanche la chasuble dorée de Noël. Il fronce ses sourcils. Pas grand monde, mon fils, mais vous voulez rire. Toutes les chaises étaient à peu près occupées. Gordon croit à une plaisanterie, mais enfin l'abbé. L'abbé, j'ai compté. L'assemblée était composée de 5 personnes, moi y compris. Le père Jones, calme, apparemment serein et sain d'esprit, affirme catégorique « Vous, vous trompez, mon fils. Nos moines étaient tous là, vous n'avez jamais entendu parler d'eux ?» Bill avoue son ignorance. Le prêtre, qu'il trouve assez sympathique, l'invite à partager son breakfast de Noël. Une fois à table, il raconte « Mon fils, l'abbaye de Beaulieu, a été fondée par des cisterciens, c'était en 1204. Elle a été prospère jusqu'à sa fermeture par Henri VIII. Officiellement, il n'y a plus de religieux à Beaulieu depuis 1538. » Mais en réalité, les moines n'ont jamais, mon fils, quitté l'endroit. Et c'est pour eux que chaque 25 décembre, à l'aube, je célèbre la messe. Ils y sont fidèles, ce matin encore, ils étaient présents. Bill Gordon écoute sans émettre le moindre commentaire. Son hôte poursuit. Mon fils, durant la dernière guerre, des officiers d'une unité anti-aérienne ont vu des moines près de la chapelle. En 1965, une actrice a distingué nettement un religieux dans les ruines de Beaulieu. Il lisait son missel. Quelques années plus tard, un autre a été surpris en train de tailler une vigne. Et à chacune de leurs apparitions, les cisterciens étaient vêtus de la même façon, c'est-à-dire d'un habit marron, celui des frères, n'ayant pas été encore ordonné prêtre. Bill va prendre congé du père Jones. Durant la journée, il se balade. À la tombée de la nuit, d'ailleurs, Gordon revient à Beaulieu. Il roule lentement avec sa voiture devant les ruines de l'abbaye. Une fraction de seconde, il les voit illuminées et croit percevoir quelques chants de Noël. Le temps de garer sa voiture et d'en descendre, Bill ne contemple plus rien que des morceaux de murs plongés dans la pénombre et le silence. Il hésite. Retournerait-il chez le père Jones afin de lui raconter ce qu'il vient de vivre? Il est tenté. Mais lui, Bill Gordon, osa-t-il avouer qu'il croit désormais à ces histoires de moines fantômes? Ce serait idiot, pense-t-il. Il remonte dans sa voiture et démarre, s'enfonçant dans la nuit.